Yo, Kusumina-san, Sopik Des. On se retrouve sur Captain Tsubasa, nous sommes vendredi matin, c'est les coffimages et le mage. J'ai un café. Allez, actualisez. Salut Nino. Moi, Oula, j'ai oublié de baisser le son. Moi, je vous préviens, j'ai un rendez-vous à 11h, donc il faut que je stoppe à 10h30. Ceci dit, j'ai l'impression que ce matin, j'aurais du mal à tenir jusqu'à 10h30. Ça m'a l'air assez vide. Encore un peu fort, ce mot. Ah, vous me direz. Quand il y aura du monde. Allez, pas de nouveau joueur ce matin, pas d'analyse de joueur donc, a priori. Sauf si vous voulez revenir sur un perso en particulier. Encore vachement fort. Ah oui, j'avais augmenté le... Ah oui, c'est pour ça. Ok, d'accord. J'avais augmenté le... Comment ça s'appelle ? Le son sous OBS, c'est pour ça. Salut Max! Salut Eisending. Je vais pas y arriver. Eisendinger. Chaque fois que je l'écorche ton pseudo, je suis désolé. À mon avis, je le prononce même pas très bien. Allez, Mickey Macho. Ouah, ce rayon de soleil qui pop juste à ce moment-là. Ah, je suis passé à la bonne fenêtre, merde. Allez, le retour de quelques petits éléments, on va regarder tout ça, le Dreamco qui a été annoncé mercredi, et on va le voir, c'est un petit gentilé des buffs. On est le 8 avril et elle a annoncé super tôt. Ah mais il sort le 11, ok d'accord, j'ai un beau figure. Donc voilà, petit gentilé des buffs, on va regarder ça vite fait. Le 11 c'est quoi, on est vite, ça va être lundi, donc lundi vidéo, lundi vidéo, voilà. Inter-auto à 100%, pas mal. Inter-auto à 100%, nouvelle interception à 490, mais... Enfin, mais ou pas d'ailleurs, ça dépend ce que vous jouez du coup, mais... Il est debuff, encore un Dreamco debuff, voilà, Club Tech. Moi qui voulais un Club Tech, y a que... les Club Tech c'est que en debuff, hein. Donc plus 3, moins 3, il debuff en plus les attaquants adverses, donc ça fait moins 5,5 pour les attaquants adverses. Pouah ! Tueur de club à 20%, à voir ce que ça donne. Et réduction de 15% des auto-interceptions, voilà. Voilà. Alors par contre, on joue plus trop gentilé, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais si vous voulez jouer gentilé, il va falloir l'interception maintenant. Événement dispo, le défi des superstars qui revient. Il revient un peu tard, ça me fait un peu peur. On ira voir les teams. Parce que si on a les teams des mecs qui font, qui sont top, c'est combien, top 25, top 30, je sais plus. Si on a les teams qui sont full explo x4, on va en chier. Tu te rappelles l'époque quand on virait des joueurs, ils nous donnaient des médailles doublons. Quand on virait des joueurs, oui, on a des médailles. Non, pas des médailles doublons. C'est les médailles or. Ça sonne, il y a un truc qui sonne ou pas? Ok. Bah, salut Batonsai, tu es réveillé. La coupe de Ramadan, on ira voir ajustement des joueurs. Ah, on a les. On a les petites modifs ce matin. Pasquale. Ah. Ok, on a le petit Pasquale, bon, on a quand même des joueurs, allez voir. Pasquale, Bobang, Pasquale, Bobang, d'accord. Pourquoi il ne les a pas mis, Tsubasa? D'habitude, quand il modifie, il le met. Gna 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 gna. Ah, c'est passé quelque chose? C'est passé quelque chose. Attendez, je regarde juste au moins le Pasquale, voir s'il a été modifié. Pasquale, c'est le Dreamco. Prap. Ah. Alors attendez, c'est quand? Non, c'est maintenant là, c'est maintenant. Alors, je vais juste vérifier si il a bien mis le... qu'est-ce qui a bien pu changer là-dedans? Bah, les stats au moins, 26 000. 26 000 en attaque, 25 000. Non, il n'a pas mis à jour. Il n'a pas mis à jour, ok. Ah bah, on se débrouille là. Vous pouvez exploser son joueur. Salut Alex. Non, t'avais les médailles or, mais je vois pas de... Alors j'ai une mémoire de poisson rouge, hein, mais je vois pas de quoi tu parles. Allez, retour! Le bouton retour, ça sert à retourner en fait, c'est par définition. Le mini Dreamco, qui est là, d'accord, avec le Pasquale et le Bobang. Mise à jour du marché Dream Ball, of course. Et recrutement recruté, je vais passer vite tout de suite. Alors le Goethe dans une Allemande, oui, en dehors d'une Allemande, ça passe. Voilà, après c'est joueur correct. Heureusement qu'il a un seulement de spé, sinon ce serait vraiment très moyen.
Grâce à son scellement de spé, c'est un joueur correct. Voilà, si vraiment vous voulez vous faire une foule allemande, enfin, ou vraiment basé sur les Allemands, on va dire, oui, ok, pourquoi pas, sinon non. Voilà, après il y a Kals qui revient. Alors Kals, il est intéressant si vous avez Schneider, si vous voulez jouer Schneider, puisqu'il donne quand même pas mal de pourcentage à Schneider. En dehors de ça, il est encore bon. Voilà. Disons que quand il est full stam, il est vraiment franchement très moyen. Et quand sa stam descend, ça commence à devenir intéressant. Mais compliqué. Et Chester est complètement dépassé, donc Osef. Hein. Osef complet. Il y a son meilleur tir, mais ça reste un tir de merde. Et puis... Bah, du coup, il n'y a même pas de vidéo, il n'y a rien. Allez, crac. Et crac. Alors, quand ils nous donnaient les médailles, mais non, mais quand tu virais les joueurs, mais c'est encore le cas aujourd'hui, hein. Mais c'est qu'avant c'était intéressant, maintenant on n'en a plus rien à cirer. Ils filent des médailles, hein, des médailles or, argent, bronze, machin. Enfin, acheter les tickets zap, c'est bien les tickets zap, j'aime bien les tickets zap. Mais c'est vrai que maintenant on n'en a plus rien à secouer. T'as quelques passes, mais d'ailleurs pour ceux qui débuteraient le jeu, il manquerait quelques spé, hein. N'hésitez pas à aller checker de temps en temps là-dedans, il y a quelques spé qui peuvent être sympas. Hein. Renforcement de TS isomico, le dribble du sud-américain, tacle long de jambe, parfaite passe croisée, tir perçant, la fin de petit pas pour Goethe, d'accord, tacle brillant, moi. Ok, alors, le nombre de dB a fondu, non? Bah moi je trouve pas, je trouve qu'il a remonté du coup. Mais sinon, ouais, il avait fondu un peu. Non, parce que j'étais, enfin, aux dernières vidéos, il me semble que j'étais resté à 222, 200, donc. Mais ça aurait dû monter beaucoup plus, ouais. Ouais, j'avais... Enfin du coup, oui, j'avais droppé le Kals, et il rentrait absolument pas dans ma team. Mais vraiment pas. Ah, c'est pas... J'ai eu beau tout faire dans tous les sens, ça rentrait pas. Et en fait, j'avais toujours ce blocage du second club tech, qui m'empêchait de faire les compos que je voulais. Et du coup, j'ai forcé un peu sur Dick en me disant, mais c'est pas possible, mais file-moi ce Dick, qui ne m'a pas donné, évidemment. Mais bon, voilà. Depuis, je suis un peu remonté quand même. Waouh, time attack, c'est beau. Mais ça va remonter, ça remonte. Rentrer ou pas, faut le rentrer, c'est un SDF. Bah oui, c'est bien pour ça que j'ai forcé sur Dick. Et du coup, j'ai changé. Bah, je vous remonte ma team si vous voulez, du coup. Sur le ticket 1er avril, j'ai droppé le Misaki. Coco Misaki. Qui est un club tech. Du coup, j'ai pu faire rentrer Davy. J'ai fait rentrer le Soda qui est venu deux fois sur le. Trois fois du coup, qui est venu trois, parce que j'ai pas utilisé de ID pour lui. Hein. Qui est venu trois fois sur le step de Dick. Et donc du coup, j'ai remis comme ça. Souvenir, t'étais à 500 avant Brian. Ah oui, avant Brian. Ah oui, mais si t'as pas vu les Brian. Step de Brian, j'ai fait deux steps et demi, hein, quand même. Puis après, il y a eu le Dreamfest avec Kals. C'est quand ils ont mis en place l'explosion qu'ils nous ont offert des médailles pour ceux qu'on avait fait avant. Oui, c'est ça, j'y arrive pas. À retrouver comment on peut voir la liste des médailles qui restent. Par joueur, tu peux pas. C'est pénible d'ailleurs. Mais par joueur, tu peux pas, faut que tu ailles voir les joueurs un par un. Alors, on a deux joueurs à regarder, on a la Coupe Ramadan et on a l'événement des Dream Balls, là, des championships. Et je veux aller voir si... Je vais pas le faire, hein, évidemment, mais je regarde juste la team. Les enfoirés. Je suis sûr que normalement, cet event-là, ils ont prévu de le mettre au premier vendredi, en tout cas de chaque mois. Je suis quasiment sûr. Je le sens comme ça, je vois pas pourquoi... Et là, il a une semaine de retard. Enfin, si on suit ma théorie, et qu'elle est vraie, il a une semaine de retard. Et je les soupçonne très fortement d'avoir fait exprès d'avoir une semaine de retard pour avoir les belles teams full explo x4. On va en chier, on va en chier. Alors, par contre, pourquoi elle est full explo x4 et pourquoi elle ne fait que 1,5 million? Quand même pas les boost conf qui... Je sais pas, merde. Tu vas dans l'explosion de potentiel et tu filtres par objet spécifique dans le truc de gauche. Pour voir le nombre de... Ah, ils ont rajouté un truc. Tu filtres par objet spécifique dans le truc de gauche. Alors, il n'y a rien à gauche. Moi, je veux voir aussi, hein. C'est pour aller voir un joueur en particulier, peut-être que tu disais ça. Là, on peut rien faire. Ouais, mais je vois pas où. Moi, je vois pas. Eh, dites-moi. Dites-moi, quel est parti pour un autre que moi. Bouton filtre et le choix de gauche. Non, mais je crois que je suis pas assez réveillé, là. Vous allez pas y arriver. Objet spécifique.
Ah, tu veux dire que ça, du coup, ces joueurs-là, ce sont ceux qui à qui il reste des... Ah, yes! Bien vu! D'accord. Donc, tu peux pas avoir la liste des médailles, mais t'as au moins le tri par joueur. Bien joué! Bien joué! Merci! Ah, je pourrais m'amuser. J'étais sûr qu'il m'en restait. Effectivement, il m'en reste un peu, ouais. Tu peux. J'étais sûr qu'il m'en restait. Ok, merci. Comment ça se fait qu'il y en a qui... Bref. Nice! Ah non, mais ça, c'est la bonne nouvelle du matin. Hein. Cherchez pas, il n'y aura pas des news meilleures que celle-là. Hein. Non, c'est mort. C'était la meilleure news. Par contre, tu as déjà été là, Sopic. Hein, tu vas aller voir la cup maintenant. La cup, voir ce qu'il y a. A priori, c'est une cup franchement classique. On va simplement regarder les limitations. Compétences d'équipe désactivées. S5, confédération désactivée. Compétences potentielles désactivées. Effet spécial formation désactivée. Au level cup, on appelle ça une cup RNG. Eh bien, écoutez, bon courage. Bon courage à vous. Ok, bah la cup c'est fait, bah, on peut aller voir sur le mini Dreamco en plus, c'est cool. Crac, donc ça, non. Hein. On a dit non. Hein. J'avais dit quoi? Ah oui. Je m'étais dit que si j'avais pas déconné autant sur Dick, c'est-à-dire s'il me restait là plus de 500 Dream Balls, par exemple, que j'aurais fait une fois le step pour essayer d'aller chercher l'interception de Kals. Mais là, non, j'ai plus assez de Dream Balls là. Surtout que pour le coup, je suis pas sûr vraiment de finir l'event PVP là, enfin pas PVP mais merde, l'event des champions, je sais pas comment il s'appelle. Donc en gros dans cette cup, il faut privilégier les passifs des joueurs. Oui, tout à fait. Et du coup, un gardien comme Genzo Dreamco est vachement moins dominateur si t'enlèves le HA. Il y a des gardiens notamment qui ont en passif, ils ont le dégagement long. Zéro augmentation de stats. Attention. Ah, faut bien le savoir. Alors, du coup, bah, je sais pas comment il a gagné, mais on va regarder. Attaque et MO, super coopération, respiration harmonisée. Je crois que j'avais jamais lu son titre. Bon, le Dreamco, allez, c'est parti. 9000 en dribble, 1400 en tir, 9000 quasiment en passe, ok. 10400 en interception, donc récupérateur. Les Pasquale souvent sont des bons récupérateurs hauts. Un lead à 22%. Pourquoi mettre un lead à 22% sur un Dreamco? Un Dreamco, c'est un joueur premium quand même. Faut rater les conneries. Quoi. Interception à 80%. Ok. Je sais pas si c'était. Ah bah, il a pas changé la. Il a pas changé la fiche. On va pouvoir voir. Bon, je vois pas le pourcentage. Le lien à 3,5. Deux joueurs non jab de type vitesse 3,5. Donc c'est un joueur shield. 3,5, 3,5. Ouais. Tueur de jap. 5% face au jap. C'est pour ceux qui n'ont pas eu Naturezza, c'est pour marquer à Genzo ou ça se passe comment? Donc ça, il l'avait pas le tueur de Jap, c'est nouveau. Intensité 20%, il l'avait déjà. Ah non, il avait que l'interception. Là, c'est toutes les TS. Ça marche, qu'est-ce qu'il fout mon chat? Ok, c'est pas mon chat, c'est dehors. Tac, 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 et Quoi? Ah, Amérique Latine. J'étais là, 20% pour tout le monde. 20% pour toute l'Amérique Latine. C'est chaud quand même. En ce moment, avec le Naturezza, le Santana du coup qui est un peu revenu, notamment le Santana rouge là, dernier, le club. Ouais, 20% pour tout le monde. Ah oui, c'est pas mal quand même. Bon, du coup, il est là pour faire quoi lui? Il est là pour intercepter. Donc on va commencer par regarder l'interception. Ah, puis après on va voir ce qu'il... Une fois qu'il a le ballon. Ah. On va voir ce qu'il va en faire. Hein. C'est pas le tout d'avoir le ballon, mais... J'en profite, j'avais une question sur Twitter. J'en profite pour y répondre. Alors, j'ai répondu sur Twitter, hein, je vous rassure. Hein. Mais j'en profite juste pour répondre publiquement pour tous ceux qui ne regardent pas Twitter. Qui ne me suivent pas, en tout cas, sur Twitter. Qui m'a demandé si on pouvait avoir l'Explo x4 dans le Dream Analyzer. Donc, évidemment, c'est techniquement possible. Mais comme j'ai fait des conneries sur ma version, que j'ai écrasé la version 2, j'ai écrasé la V2, je ne peux plus intervenir sur la V2 sauf la mise à jour de la base de données parce que c'est déconnecté de l'application en elle-même. Je ne peux pas l'ajouter. Je ne peux pas ajouter l'explosion à la V2, c'est con parce que ça m'aurait pris vraiment 10 minutes, hein, franchement. Et ben, je ne peux pas, donc il faudra attendre patiemment la V3 qui se lance là dans les jours prochains en version en phase de bêta. Mais elle sortira, si tout va bien, elle sera avant l'anniversaire. Donc c'est pas pour tout de suite. Hein. Si c'est bon, t'as fini de parler, on peut un peu y aller? Paramètres de l'équipe, 40-10, tac 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 tac. Alors, on a 10427. Ah, par contre, je veux bien mon clavier, s'il te plaît. Merci. 427, ça pique. 10427 en interception. En technique, il a 86. 54.
Et en inter, il a quoi comme inter? C'est sa meilleure inter, de toute façon, pince de crabe. Ah mince, je sais pas toutes là. C'est la meilleure. Alors là, combien déjà? 400. Putain, je me fais bulle, j'arrive pas à lire. 455. Toutes les TS, 20%. Donc c'est sur TS. Ok. C'est parti. Waouh! Ah, je m'attendais pas à ça. Ah oui, 213 mauvais choix, 252 bons choix. Ah oui, on est pas mal quand même. 213 mauvais choix. Bon, on n'est pas au niveau d'Alberto, hein, qui était à 230. Bon, on est pas mal quand même. Hein. Ouais, pas mal. Bon, alors, on est là. Côté d'un petit Bruno debuff très bon, au niveau d'un Kals. Kals, Lostam. Hein. Kals full passif. Lui, c'est tout le temps, c'est constant. Hein. C'est sur TS. Au niveau de Radunga, Bon, on est pas mal. Hein. Surtout pour un mec qui joue attaquant. Ou MO, à la limite. Mais pour un mec qui joue haut. Pas mal. Et du coup, il monte à 126 000 en inter-auto. Ce qui est plutôt, ma foi, fort correct. Salut Brahim Dono. Donc très bien. Franchement très bon en interception. Voilà. Pas grand chose à dire dessus. De plus. Par contre, une fois qu'il a la balle, qu'est-ce qu'il en fait? Alors, évidemment, c'est sa stat de passe qui est la meilleure. Donc une fois qu'il a intercepté, il va la passer. Il va pas la passer à n'importe qui, évidemment, il va la passer à Naturezza. Mais va-t-il réussir à la passer? C'est ça qu'on veut savoir. J'aurais dû regarder le tacle avant quand même. Ah, attendez, je change d'avis. Je vais regarder le tacle. C'est bien gentil d'avoir une très bonne interception, mais s'il n'y a pas de tacle derrière... Tac. Si vous n'avez pas de tacle derrière, on sait direct ce qu'il va faire, hein, le mec. Hop là. Volet tacle. Tacle à 475. Avec le Diaz, mais... on n'en voit plus beaucoup des Diaz, hein, quand même. Puis en plus, encore fallait-il le dropper. Sinon, c'est 425. Bon, on va regarder 475. Et on regardera 425 après. Là, ça doit pas être trop mal. Ça va. Ah oui, ça fait que... Ah bah oui, c'est boost sur TS. Donc en bon choix, c'est pas la folie non plus. 179 en mauvais choix, c'est correct. 210 en bon choix, c'est un peu limite quand même. C'est un peu limite. Et ça, c'est avec son tacle à 475. La petite aparté. Les inter-autos, c'est divisé par 2 en puissance. Oui, c'est ça. Tu prends la puissance bon choix, puisque c'est un bon choix. C'est sur une passe, donc c'est un bon choix. C'est un bon choix et tu le divises par 2. Je sais plus ce que je veux dire. Oui, en bon choix, vous voyez, le tacle à 475 en bon choix, je suis à 210 000. L'interception en mauvais choix, je suis à 215 000. 213. En gros, même avec le tacle à 475, c'est pas forcément utile de tacler. Mais sauf si le mec en face va avoir une stat meilleure que vous. Dans ce cas-là, vaut mieux tacler. Quand vous êtes en dessous en termes de puissance, il vaut mieux tacler que intercepter. Mais normalement, je vous apprends rien. À force de rabâcher les choses, normalement, ça commence à rentrer. Et c'est combien? C'est 425, l'autre. Et je pense que 425, si vous n'avez pas son meilleur tacle, ce qui va être le cas de beaucoup de monde, je pense. Si vous n'avez pas son meilleur tacle, jamais vous taclez. Vous mettez le tacle. Hein? Vous mettez le tacle, comme ça, le mec en face. Il suffit de tomber sur quelqu'un qui connaisse pas très très bien le perso, qui a pas regardé ma vidéo. Il y en a, hein. Enfin je crois, je suis pas sûr, hein, mais je crois. Il va pas savoir, peut-être qu'il va essayer de feinter ou quoi, mais vous feintez pas. Hein, si vous avez le tacle à 425, vous feintez pas, vous faites full interception, c'est tout, basta. Ok, pas là pour ça. Donc il a le ballon, il a récupéré, parce qu'il a fait une magnifique interception. Tac. Et 86-54. Et il va faire une passe. Il va faire une passe, et sa meilleure passe c'est la passe invisible, c'est ça, 455. Celle-là, normalement, elle est revenue suffisamment souvent. Vous l'avez. Ouais, normalement, si vous l'avez pas, si vous n'avez pas le tacle, vous n'avez pas la passe, bah vous jouez pas passe quoi, allez, écoutez. 194 000, 230 000, on est bien. C'est pas oufissime, encore une fois, mais on est dans l'air du temps, on va dire. Tac, allez, on va regarder le dribble qui va être un peu moisi. 455 aussi. Bon, il a juste moins de stats. Voilà, 187, 221. Bah, correct. Faut-il que je regarde son tir? Remarque, il a un tir à 490 maintenant. Donc je vais regarder son tir pour ceux qui ont le tir. Pour les autres, c'est plus compliqué. 68, 13. Il y a un tir à 490 et comme c'est un boost sur TS. Il devrait pouvoir s'en sortir à peu près.
189 contre les gardiens, 221 contre les en bon choix contre un défenseur. Enfin, contre un joueur, pardon. Bah, c'est de la merde. Voilà. Donc, il est là pour récupérer les ballons. Notamment avec l'Inter-Auto. Il est là pour récupérer les ballons et ensuite distribuer le jeu. Après, pour moi, il a deux problèmes. Un, il n'y a rien qui l'aide à distribuer le jeu. Enfin, je veux dire, s'il rentre en duel avec un défenseur, vous avez vraiment intérêt à faire le bon choix. Parce que sinon ça passe pas. T'as raté des choses? Bah si, t'as... Bah, si. Ah si, ah si, si, si. Tu es obligé de regarder la vidéo, hein, je suis désolé. Donc voilà, c'est pas évident. Il n'y a rien qui va l'aider à faire le bon choix. Et deuxième chose qui n'est pas forcément évidente, bah, c'est qu'il n'a pas beaucoup de liens. Hein. C'est un joueur shield, alors... Sacrifier... Enfin, oui, il en faut du shield, mais... 3,5, quoi. 3,5, c'est plus ce qu'on veut. Il devrait faire des 4,5 avec 2% de shield. Voilà. Comme ça règle le problème. Bon. Donc pas mal. Honnêtement, si vous manque un Pasquale, parce que vous voulez absolument jouer Diaz ou je ne sais quoi, si vraiment il vous manque un Pasquale, c'est pas mal. Après, faut vraiment avoir l'espé pour qu'il soit vraiment sympa. Mais pourquoi pas. Mais bon, on va pas aller le chercher. Enfin, pas moi en tout cas. Faites ce que vous voulez. Bobang, homme clé dans l'essor d'Albaese. Attaquant MOMD. Alors, Bobang, du coup, je vais... Ah. Perso, Bobang. Hop. Nigeria, Bobang. Tac, c'est le DC rouge. Je sais pas si je l'ai, lui. Pasquale, je l'ai, mais lui, je suis pas convaincu. Voilà. Allez, c'est parti. Donc 9004, 9007, 9003, 10000, 8000, 10000. Un physique pas trop dégueu. On est pas mal. On est pas mal du tout. 1178 d'endurance. Le lead à 22% que je comprendrai toujours pas. La petite auto inter 100% uniquement en zone centrale. Avec la morasso. Ça dépend. Mais là ce matin, ouais, c'est tranquille. Hein. C'est le petit. C'est un café léger. Hein. C'est un décaféiné presque. Donc 100% zone centrale, c'est ce qu'il avait déjà. Ça ne change rien. Ça change rien. Ouais. Et que je lise bien, que je rate pas un truc. Donc 100% zone centrale, très bien. Ensuite, c'est un joueur debuff. Donc un joueur shield plus un debuff. Deux joueurs non jade de type force. Ah. J'espère que je l'ai. Ah merde, c'est Aoi. On a un Aoi debuff. J'ai un gros doute. Perso. Shingo. Ah merde, il va pas être là, Shingo. Oh. Page 3. Léger depuis la Nive Glow. Depuis la Nive Glow. Oh non. Il y a eu du lourd. Les explosions de potentiel, le truc. Je dis pas que c'était bien. Mais en tout cas, c'était dense. C'était un café serré, ça, l'explosion de potentiel. Y a pas de Shingo debuff. Y a pas de Shingo debuff. Vous le sentez venir le achat d'un Shingo Albaese en debuff. Ah, y'a le World Cup qui avait eu du debuff. Non, je préfère pas en parler. Hop là. D'accord, bon. C'est Tom. Bon, il donne courage à Oi, c'était déjà le cas, c'est ça de toute façon. Pas du tout. Ok, d'accord. Ah, mais c'était un joueur pluie avant. Il lui a enlevé la pluie, dis donc. Là, dis donc. 30% dans la zone centrale, ça, c'était déjà le cas. Et 30% dans la surface de réparation, c'était déjà le cas. Donc, ils ont enlevé la pluie et ils ont rajouté Aoi. Et ils ont rajouté le debuff. Et le lien, puisqu'il avait ni lien ni debuff. Oh là 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 là, Tom, merci. Oh, le petit... Pourquoi j'ai pas la notif? Normalement, il y a un petit chat, des applaudissements et tout. Arigato gozaimashita. Oh, c'est triste. Oh, je suis désolé, Tom. Merci beaucoup. Ok, donc ça sent quand même un achat pour un Aoi debuff. Ou un nouveau Aoi debuff, je ne sais pas. Bon, il est bon en quoi, lui? C'est quoi sa spé principale? C'est la tête. Et Golden Duo. Ils auraient dû lui mettre une augmentation de distance sur la 1-2, lui. Bon, on va tirer, du coup. Il est très bon sur ballon haut. Donc on va même faire une tête, dis donc. 79, 59. La tête, elle n'est pas 490 comme. Ah, 440 000, elle avait une meilleure tête.
T'as une sale tête. T'as pas une meilleure tête? Contre volé. Ah non, c'est volé 450. Y a pas. Donc 440, c'est très moche. C'est moche, monsieur. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Bref. N'oublie pas d'enlever les 20%, sinon je vais sursauter. Et c'est 30% dans la surface de réparation et il est très bon. Bah non, il est pas très bon. Ah, vous voyez pas. Non, il est pas. Non, il est pas bon. 207, c'est pas bon. Ah, c'est constant, hein. Encore une fois, c'est constant, mais c'est pas bon. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, monsieur. Ça ne va pas. On va faire une. On va faire quoi? On va faire une. On va faire une 2. 94-31. Je sais pas si c'est ça le mieux. Hein. 28. La 1-2, elle est à 445, à condition d'avoir Shingo dans sa team. Évidemment. 445, 30%, je laisse, on est dans la surface dans la zone centrale, pardon. 185-226. Honnêtement, avec les stats qu'il a, vous lui donnez une volée à. Enfin, une tête plutôt à 490, vous lui donnez une 1-2 à 475. Bah, c'est plus le même homme, hein. Il est juste pas très bien fourni, le pauvre. Ça, c'était la 1-2. Il a une passe, il a une passe à 415. C'est une nouvelle passe, visiblement. Parfaite passe croisée, il ne devait pas l'avoir. Donc, à mon avis, elle est dans le shop. Je suis en train de regarder l'interception. 10-288. Parce qu'on rappelle qu'il a une inter-auto. Hein. Ah, là, on est pas mal. 196, quasiment. 240. 240 bons choix, ça fait du 120 en auto-inter. Ok, on est bien. Ok, là, non, l'inter est bien. J'ai rien à dire. L'inter est bien. Avec inter-auto, pour récupérer les ballons, on est pas mal. Alors après c'est toujours pareil, hein, ils sont pas vernis les joueurs debuff que j'analyse comme ça, parce que du coup je ne mets plus le debuff. Parce que normalement quand on analyse un joueur debuff, il faudrait debuff l'équipe adverse pour voir ce que ça vaut. Mais je ne le fais plus parce que les derniers joueurs debuff sont tellement forts qu'ils sont au niveau des autres. Donc je suis en train de regarder le dribble. Qu'est-ce qu'il a encore comme SP? Non, c'est l'inter. Ah oui, c'est l'inter rapide qu'il a. Ah non, c'est moche. Qu'est-ce que j'ai regardé? Ah, j'ai regardé l'inter avec une SP à 445 là. Ah mais j'ai rien dit, alors il est moyen. J'ai rien dit, excusez-moi. Ah, il a un dribble rapide à 3,70. Ça, c'est beau. Quel beau gosse. J'en ai marre d'analyser ce perso. C'est de la merde. 153, 195, bon choix. Non, non, non. Bon choix, si t'atteins pas les 200 000 aujourd'hui, t'existes pas. Je suis pas d'accord. La merde. Non, c'était bon, ça. Je peux pas... Non, trop tard. Tacle. Tacle, 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 tacle. 405. Ouais, ça va, ça passe. Ça va. Bon, bref, allez, je me casse. Donc, pour compléter une debuff, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, la petite auto-inter. On est pas mal. Après, il n'y a pas de Shingo déjà. C'est léger. Il n'y a pas de Shingo dans la debuff. Je vois pas pourquoi vous allez le jouer dans une team buff. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Puis voilà, après au-delà de ça, c'est vraiment, mais alors vraiment pas ouf. Voilà, donc le Pasquale, intéressant. Alors c'est un joueur shield, c'est toujours plus compliqué à faire entrer dans une team, mais intéressant sur l'interception, etc. Maintenant, il faut avoir, l'SP, et il faut avoir un Diaz. Ça fait quand même deux conditions. Mais en récupérateur, pas mal. Pas mal. Il rentre pas dans le meilleur 11, hein, mais pas mal. Et puis Bobang, casse-toi. Débuff et puis débuff pas ouf. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Coffee Match, salut. On va aller faire les... On va récupérer les tickets Dreampo. Magnifique ticket Dreampo. Donc juste regarder, mais la parfaite passe croisée, ce sont des passes qui rajoutent normalement... Là, elle est là. Souvent maintenant, pour ceux qui n'avaient pas remarqué ou qui sont pas du tout au courant, tout simplement parce qu'ils connaissent pas forcément. Souvent en ce moment, quand ils sortent un perso, une nouvelle version de perso, etc., ils en profitent pour compléter les spé pour éviter qu'il reste trop de spé sous les 400. Là, typiquement, il devait avoir une passe de. Il avait une passe technique à 370. Donc hop, dans le shop, il lui rajoute une petite passe à 415. S'ils font pareil pour les tacles, etc., enfin bref, ils complètent un petit peu les spé. Pensez-y. Allez, on va... De toute façon, là, ils n'ont pas changé les récompenses. Non, ils n'ont pas changé les récompenses. Donc on n'ira pas le faire. J'irai m'énerver tout seul. Ouais, vas-y, il y a deux cheaters, là. Alors, forfin... Diego... Koro. Il y a Koro. Coucou, Koro.
Colo colo. Il joue des buffs. Mince. Va falloir sortir les shields. Faudra invoquer sur Pasquale, hein, il n'y a plus le choix. Hein. Tu penses qu'on va avoir un nouveau gardien bientôt? Oui, oui, bien sûr qu'on va avoir un nouveau gardien bientôt. Ça m'engage pas beaucoup de dire ça. Hein, je... Parce que forcément, il y a un moment où ils vont ressortir un gardien. Ouais, ça dépend ce que t'appelles un nouveau gardien, si c'est un nouveau perso ou si c'est une nouvelle version d'une carte existante. Là, ce serait plus compliqué. Mais est-ce qu'il y a un gardien qui va bientôt sortir? Oui, bien sûr. C'est quoi? C'est Espada. Ça fait longtemps que ça me sortit un Espada. Non, mais vas-y, me passe pas les teams, là, on s'en fout. Ça fait longtemps que ça me sortit un petit Espada, non? Je vais voir un petit peu les persos. Non, c'est pas ça que je voulais. Pardon. Liste joueur, perso, équipe, type ballon bas, meilleure position. Yes. Max only. Search. On a un petit Salinas qui est sorti il y a pas trop longtemps. Dolman, Zino. À moins qu'il sorte un Zino buff. Richard Barcelone, j'en peux plus. Tu joues des buffs ou tu joues au buff? Ce sera la Waka Porto. Waka Shimazu Porto. Peut-être, c'est vrai. Shimazu, ça fait longtemps aussi. Shimazu et Espada. Les deux candidats au prochain gardien. À moi qui nous sorte un petit Morisaki des familles. Buff, mais j'ai que lui. Ah, c'est vrai que Richard, c'est marrant parce qu'il est sorti vraiment au début de l'anniversaire. Quand il est sorti, il était fort. Hein. Sur le papier, franchement, il était super fort. Puis derrière, ils ont fait que sortir des joueurs avec des gros tirs solo. Il s'est fait démonter. Ah, ça arrive. Ah, je suis en train d'abîmer une feuille. Ça va pas du tout, ça, monsieur Sopic. C'est un papier important, ça. Oh. Il va falloir que je range mon bureau. Ceux qui s'en fichent, mettez un like. Ou Calu Bleu. Et ben pour la Cup Ramadan, tu joues Calu Bleu. Voilà. Quand tu fais la comparaison des gardiens, mais juste avec les passifs, c'est-à-dire sans les potentiels, Calu Bleu est encore vraiment bien placé. Donc franchement, pour la Cup Ramadan, je te conseillerais peut-être le Calu Bleu quand même. Enfin, à condition d'être capable de bâtir une team autour de lui. Hein. Gauche. Aïe, va-t-on avoir un petit SSR sur le Dream Ball? Oh là là, mais quel suspense ce matin! Toute la foule est en émoi. Passionnant. Donc là, je vais récupérer 30 et que ça, on est vendredi. Ouais, je vais d'ici demain ou après-demain, max, je suis à plus de 300. Je remonte à plus de 300. Sachant que j'étais tombé à 100. 100 et des poussières. Donc c'est remonté. Ouais, je suis descendu à 100 parce que je savais que j'allais remonter assez vite. Comme je vous l'ai dit, je veux absolument garder au grand minimum. Et c'est vraiment le minimum de chez minimum. 220 Dream Balls pour si jamais il y a un nouveau Schneider qui sort sur un step. Qu'il puisse aller le chercher. Allez! Ah, après, on va faire de l'explosion de potentiel. Je pense que tu n'en as strictement rien à carrer. Mais j'ai envie d'aller dépenser mes. Grâce à la petite astuce. J'ai oublié ton nom. Grâce à la petite astuce de Totogar. Je vais pouvoir dépenser toutes mes médailles. Alors, c'est pas là qu'il faut invoquer, Sopic. Hein, tu fais gaffe quand même. C'est là. Allez, attention! Allez, le SSR pour la vidéo! Ou pas! Tant pis. La tristesse. Je suis désolé, je voulais vous offrir un SSR en vidéo, là, je voulais qu'on vibre tous ensemble, mais... Le Genzo m'a fui. Bah, tu dois pas être le seul. Un Dreamco, en général, ça fuit plutôt pas mal. Hein. C'est une bonne stat de fuite. Là, y a rien. Je peux même pas faire une petite single quelque part. Ah si, là, j'aurai un SSR. Je peux même pas faire une single quelque part, je peux rien faire. Oh, cette tristesse. Ah si, je peux... Ah, je peux faire ça. Allez, la single. Une single, un SSR, l'interception de Cal, c'est bon. Ok, allez. Voilà, je suis très content. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors non, pour ceux qui vont me poser la question, non, je ne ferai pas le match de Cup là, parce que je vais avoir une déco. En Wi-Fi dans mon bureau, vous êtes sûr que le PVP, je me tape une déco? Enfin sûr, ou pas loin d'être sûr en tout cas. Trop risqué. Et j'enlèverai pas le Wi-Fi, parce que si j'enlève le Wi-Fi, je n'ai plus la synchronisation. Vous n'avez plus le match. Ah oui, je voulais faire des explosions. Comment j'ai pu oublier un truc aussi excitant? Merde.
explosion de potentiel. Alors, oh là 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 là, oui 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 oui. Ah oui 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 oui. 4 à la suite. Ah oui. Ah, il file pas des manabous pour le pour les coffres. J'attendais mon manabou moi. Oh là là, 3. Ah, magnifique. Le tir contre Phoenix. Ah là là, si je jouais encore Tech sur la comment ça s'appelle, sur la ligue, j'aurais pu mettre quasiment faire une full jab tech là. Mais maintenant pour la ligue, je joue Europe bleu. D'ailleurs, j'attends très impatiemment un doublon de Brolin bleu, le dégueulasse du début là. Je suis très impatient de ce doublon là. Comme ça, je pourrais explos x4 mon Brolin et avoir une full Europe bleue. Alors pas sur le banc évidemment, mais au moins sur le terrain, avoir une full Europe bleue et donc gagner 100 points supplémentaires à mon deck, ce serait tellement bien. Il y a que de choses passionnantes ce matin, c'est fou. Ah mais c'est un Genzo, c'est un... Ah non, c'est un Levin Tech, merde. Il me faut un Levin bleu. Faudra un petit Levin bleu, y a pas ça. Ah si, il est là. Comment ça se fait que j'ai pas vu que j'avais des doublons lui? Ah vas-y, j'en ai qu'un. Ah, la déception! Oh! Ah ouais, lui, j'ai carrément eu des doublons. Ah si, je me souviens comment j'ai eu des doublons, lui. J'avais eu... C'était sur les tickets anniversaires. Sur les steps anniversaires. Quand on peut choper des Dreamfest et des Dreamco. Il m'avait bien aimé, lui. Une année. Bon, qui c'est qui est intéressant, là? Napoléon... 3! Ah mais j'ai déjà un... Ah oui mais il est pas potentiel. Ouais mais il est pas potentiel non plus lui. Ah si il est potentiel. Ah bah il me faut un doublon aussi alors. Ace Strike Eder. Y a pas un autre européen bleu là? Non, 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 non. Qui c'est qu'on peut exploser au x4 là? Ce Jito là. Ouais Jito j'en ai pas eu 50 hein. Voilà, un. Et puis. Ouais qui c'est qu'il y a là? Margus. C'est qu'il y a d'intéressant. Quand est-ce qu'ils font un petit achat pour lui là? Ce serait pas mal. Oh ça va t'énerve fort. Bien 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 bien. Bien 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 bien. Qui c'est qui veut... Bon bah je crois que je continuerai. Je me suis dit on va faire ça mais en fait c'est un peu long. Déjà c'est pas passionnant. En plus c'est un peu long. Mon petit Kansawat là. Je l'aime bien lui pour le World Challenge. Je l'utilise toujours pour... Pourquoi le dépassement de stats et cap à 4, 90 pour le Genzo? Bah parce qu'il est que explo fois 1, 90 c'est 1 je crois. Ouais. Il est que explo une fois donc ça monte à 90. Les gardiens t'es limité à 75 et après c'est 90, 105, 115, 125. Je le sais parce que je l'ai revu il y a pas longtemps. Je ne connais pas non plus les stats comme ça par cœur, hein. je suis pas un gros malade. Hein. Ah si, je suis un grand malade, mais... Marrant que je l'ai pas allé... Je me demande si je l'ai pas déjà en x4. Attention! Pas encore explosé gardien. Ah. Il faut. Et voilà, le badabou! Oh là là, mais tant de suspense. Mais j'avais pas le... Je vais regarder le... Bah tiens, justement, on va regarder la NB. Filtre-moi les... Bah, les gardiens. Comment t'as su que j'allais voir les gardiens? Les gardiens japonais? Oh là, ce pic ouvre tes yeux. Ah, mais je l'avais pas. Tiens, je croyais que j'en avais déjà un. Ah oh, bah, on va le respecter, le Genzo. Allez, c'est parti. Voilà, le beau gosse. Le beau gosse. Full explos x4. Attention, hein. Je suis sûr que ça monte maintenant. Fais voir. Attends, fais voir que je rigole quand même. Liste joueur. Juste pour voir. Je vais mettre en gardien et en total des paramètres. Il se classe où? Ah, il se classe là, hein. Pim. Il est là. Il est devant le Zino. Oh, ça va. Il est quand même derrière. Hein. Il est devant le Wakashimazu Dreamfest, mais j'ai pas... Et devant le Salinas aussi, mais je crois que je les ai pas à limite break. Je m'en sers tellement pas. Voilà. Mikami qui a plus de stats que Müller. Normal. Après, il est pas meilleur que Müller, attention. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. D'ailleurs, entre le dernier Dolman Next Dream et Genzo Tech Dream Fest, lequel est le plus intéressant? Il me semble quand même que c'est le Dolman. Déjà, il faut que je me le remette. Tueur de tir au sol, tireur de tir flottant haut. Ça, c'est pour Dolman. Hein. Augmentation de la gage, crée une puissance, résistance. D'accord. Et l'autre, il est simplement tueur de non-jap, c'est ça?
Il a la zone de sûreté, quand même sympa. Il est tueur de non-jap. Je vais voir un peu le top gardien. Le top gardien. Donc là, le Genzo, il est là. Tueur de non-jap, zone de sûreté. Donc là, il a 30%. C'est contre un non-jap hors surface. Tandis que lui, c'est sur un tir au sol, surface ou pas. Et tueur de flotte en haut. Donc il est très légèrement en dessous, mais je crois qu'on les verra pas là. Mais j'aurais tendance quand même. Bah, je vais y arriver. J'aurais quand même tendance à dire avantage à Dolman. C'est combien le Dolman? C'est ouais. Toi, Dolman, il a 20%. Il a 20% de boost. Non, il a 12% max de boost. Pardon. Il a 12% max de boost. C'est-à-dire que si tu le contournes, c'est-à-dire si tu fais un tir, si tu fais une volée contre lui. Tu perds 12% de stats. C'est la seule manière de le contourner, c'est de faire une volée. Donc tu perds 12% juste sur une volée. Tandis que l'autre, le moyen de le contourner, c'est de tirer avec un jap dans la surface. Volée, tête, ce que tu veux. Hein. Tu tires avec un jap dans la surface. Et là, il perd 30%. Il perd pas 12, hein, il perd 30%. Donc Dolman est quand même plus constant. Et puis, faut faire une volée si vraiment tu veux tout esquiver. Donc c'est chiant. Le choix est limité. Donc moi je dirais avantage à Dolman. Après, je sais pas moi, vous. Ils donnent 4% tous les deux de toute façon. Ouais. J'aimerais bien vérifier, mais bref. 4% c'est ça. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, les deux sont constants. Et typiquement, Dolman, il a quoi? Son passif, c'est tueur de ballon flottant haut. Tandis que l'autre, son passif, c'est tueur de non-jap. Ouais, pour la cup, à mon avis, il vaudra mieux le Dolman, hein, quand même. Pour éviter de se faire trouer par Eyuga et Sorimachi. Parce que je pense que Sorimachi, il va faire des petits trous dans la cup, là. Je vais voir, Sorimachi, son passif, c'est... Ah, et c'est sur passif. Intensité, TS, flotte en bas. 30%, c'est son passif à Sorimachi. Autant vous dire que ça va être le... J'ai pas envie de la faire, la cup. J'ai pas du tout envie de la faire. Je vais me prendre des têtes de Sorimachi en permanence. Ah ouais, merde. Il va être insane, cet abruti. Ah non. Il a pas la réception ballon bas. Et il a pas la bonne lecture. Donc il va être en pointe. Attaquant en pointe et il va planter. Oh, ce poison. Ce poison. Bon, bah écoutez. Ça paraît pas mal, là. J'ai déjà suffisamment fait durer, je pense. Je pense, à moins que vous vouliez voir autre chose. N'hésitez pas à vous poser des questions. Mais on va passer sa landing. Après, moi, j'irai m'exciter tranquillement sur l'event Dream machin, là. Dream machin, ça veut rien dire, parce qu'il y a tous les events, tous les modes de jeu, ils ont Dream dedans. Défi les puissants superstars. Défi superstar, voilà. On va l'appeler comme ça. On va l'appeler comme ça. Donc voilà. Et puis je vais faire le petit montage, hein, en espérant avoir le temps de le faire avant de partir. Et puis vendredi prochain, c'est bon ou c'est pas bon? Ah bah non, c'est bon. Mais c'est le vendredi de la veille des vacances. Et comme c'est la merde au niveau des trains pour partir, si ça se trouve, je vais devoir partir le vendredi. Ce qui m'arrangerait pas du tout. Mais sinon, normalement, non, vendredi c'est bon. Vendredi prochain, lundi il y aura la vidéo sur Gentile. Et puis voilà, ça me paraît pas mal comme planning. Allez Melou, merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce live. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là. C'était très étonnant. Si vous avez regardé sur YouTube, dites-moi. Hein, si sur YouTube vous avez regardé la vidéo jusque là, surtout faites-moi signe, hein, parce que vous êtes pas être nombreux. Et puis on se retrouve donc très bientôt sur Second Games pour d'autres vidéos, d'autres lives et d'autres folies. Ciao ciao, ciao là. Voilà, la vidéo est terminée. N'oublie pas le petit pouce, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, ça permet de nous soutenir. Tu peux foncer regarder nos autres vidéos vachement intéressantes. Si c'est pas déjà fait, clique ici pour t'abonner, tu verras, ça marche même sur mobile. Et retrouve-nous sur Discord, Twitch, Steam ou Facebook. Et je te dis à tout de suite.